Good afternoon to all of you, and thank you, Catherine. I'm very honored and pleased to be invited to conclude the third edition of the Paris Conference. Let me first thank very warmly Paul Desmarais, Hélène, and their team of the International Economic Forum of the Americas. And so you invited me to speak on the future of the multilateralism, not so easy to do in 15 minutes, but I am now used to difficult missions. So let me address the issue in the context of the Brexit, and if I may, because we are in Paris, let me switch to French. Mesdames et messieurs, au fondement du multilatéralisme, il y a une idée simple et juste, difficile, celle que les États ou des régions du monde décident d'organiser leur coopération autour de règles communes. À travers le droit, ces pays ou ces régions cherchent à atteindre une forme d'équilibre et une capacité à prendre ensemble des décisions sur les grands enjeux communs. Il est donc naturel que l'Union européenne, qui est elle-même, et depuis le début, une communauté de droit, prenne dans le monde, en ce moment où c'est bien nécessaire, la défense du multilatéralisme. Je relevais l'autre jour deux citations en préparant ce propos, celle du président de la République française, Emmanuel Macron, au Forum de Paris cette semaine, dans le Forum pour la paix, qui disait « L'Europe est un laboratoire de multilatéralisme, l'endroit du monde où l'on sait le mieux le prix de la non-coopération et donc le trésor qui a la capacité à bâtir des équilibres. » Et dans le même esprit, ce que disait il y a quelques jours Ursula von der Leyen, qui va être dans quelques jours présidente de la Commission européenne, expliquant que le multilatéralisme est inscrit dans l'ADN de l'Europe, qu'il est, depuis le début, notre principe directeur. Voilà. Je pense aussi, mesdames et messieurs, que notre Union est beaucoup plus qu'une communauté d'États qui partagent des règles communes. Beaucoup plus. Depuis sa création en 1957, avec tous les pays qui nous ont rejoints depuis, et notamment le Royaume-Uni, en 1973, nous avons choisi de mutualiser. C'est d'ailleurs pour moi le mot qui décrit et correspond le mieux à la réalité du projet européen. Nous ne sommes pas un État fédéral, nous ne voulons pas être un État fédéral, il n'y a pas un peuple européen, il y a 28 peuples, 28 États, 28 nations, il y a 24 langues sur notre continent. Et donc ce que nous faisons, ce n'est pas de fusionner. Ce que nous voulons, ce n'est pas effacer les différences ou nier les identités nationales qui sont là et qui doivent rester là. C'est de mutualiser nos forces, une grande partie de nos politiques, une petite partie de nos budgets et même une partie de notre souveraineté. Je dis bien partager et mettre ensemble cette force commune. Voilà comment nous avons créé, au fil des ans, des institutions solides, des droits directs pour nos citoyens et des politiques communes ambitieuses. Parmi cette construction, il y a le fondement, dont j'ai été le commissaire d'ailleurs, le marché unique, qui est, je le dis à tous ceux d'entre vous qui travaillent avec l'Europe ou qui veulent travailler avec l'Europe venant d'autres régions du monde, qui est beaucoup plus qu'une zone de libre-échange. Le marché unique s'est devenu au fil des ans, avec le soutien des Britanniques et leur très forte influence, c'est devenu au fil des ans une sorte d'écosystème économique et social avec des normes communes, des standards communs pour les produits, de la supervision commune, notamment sur les marchés financiers, de la régulation commune, et au-dessus de tout,
une juridiction commune, la Cour de justice européenne. Voilà ce qu'est devenu ce marché unique et que personne ne doit oublier et auquel nous tenons, parce que c'est le plancher, c'est le fondement de l'Union européenne que ce marché unique. Voilà. Et c'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne, il y a maintenant 3 ans, de quitter non seulement l'Union européenne, mais de quitter aussi le marché unique, ce qui n'était pas une obligation. On peut être dans le marché unique sans être dans l'Union, c'est le cas de la Norvège, et de quitter en plus l'Union douanière. J'ai souvent dit que cette triple décision démocratique que nous respectons et que nous regrettons, mais que nous respectons, cette triple décision a des conséquences innombrables, humaines, sociales, économiques, financières, juridiques, techniques, et que, très sincèrement, beaucoup de ces conséquences ont été peu expliquées et souvent sous-estimées. Et ce sont ces conséquences que j'ai dû traiter avec l'équipe que je dirige depuis 2 ans et demi, 3 ans, au nom de l'Union européenne, comme on doit traiter, mesdames et messieurs, les conséquences de tout divorce, avec, encore une fois, beaucoup de conséquences et beaucoup d'incertitudes juridiques, comme toute séparation crée des incertitudes. Nous avons patiemment, avec les Britanniques, pas contre eux et pas sans eux, avec eux, remis dans ce traité de retrait de la certitude juridique pour tous ceux et dans tous les secteurs où le Brexit, comme un divorce, crée de l'incertitude. Et nous y sommes parvenus, encore une fois, avec les Britanniques. Comment ai-je travaillé depuis 3 ans ? Sans agressivité, avec du respect pour ce pays, pour son histoire, pour sa culture, sans jamais oublier la solidarité dont il a su faire preuve dans les moments les plus sombres de notre propre histoire continentale il n'y a pas si longtemps. J'ai du respect et de l'admiration pour le Royaume-Uni et j'ai toujours travaillé en ayant ce sentiment au fond de moi. J'ai travaillé sans émotion. Je suis capable de parler de l'Europe avec beaucoup d'émotion, hein, mais sur le Brexit, pas d'émotion. En travaillant sur les faits, les chiffres, les bases légales et sur les problèmes créés par le Brexit partout et pour beaucoup de monde. Et puis j'ai travaillé avec une méthode nouvelle, celle de la transparence totale, avec le Conseil européen, les 27 gouvernements qui m'ont mandaté et avec le Parlement européen. Et puis enfin j'ai travaillé en ayant une méthode que j'ai apprise au fil de ma vie publique, notamment lorsque j'ai eu, il y a quelques années, à organiser, ce qui est assez inhabituel pour un homme politique, pendant 10 ans des Jeux olympiques en France, ceux d'Albertville, j'ai appris à relever la ligne d'horizon. J'ai appris à traiter les problèmes, non pas pour les supprimer, mais pour les relativiser en les mettant en perspective. Et ainsi, tout au long de cette négociation, et je continuerai, j'ai mis en perspective 3 choses pour traiter les problèmes du Brexit. La paix en Irlande, qui est très fragile. Le marché unique dont je vous ai parlé, et sur lequel il n'y aura jamais de compromis, parce que c'est notre fondation. Et enfin, la future relation qu'il faut reconstruire, après avoir détricoté, comme les Britanniques l'ont voulu, 44 années de relations et de coopération, nous devons reconstruire. Le Brexit, ce n'est pas une destination. C'est une étape, un moment difficile, mais après le Brexit, il faut reconstruire une relation forte et ambitieuse d'une autre manière avec le Royaume-Uni. Voilà comme nous en sommes parvenus à ce traité qui organise de manière ordonnée le divorce. Dans ce traité, je peux le dire télégraphiquement, nous avons apporté de la certitude, d'abord s'il est voté pour 4,5 millions de citoyens,
qui sont inquiets de leur statut, de leurs droits. 3,5 millions d'Européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni, 1,5 million de citoyens britanniques qui vivent dans l'un des 27 pays de l'Union européenne. Et nous avons garanti avec les Britanniques le droit de ces citoyens pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la durée de leur vie. Nous avons garanti aussi les porteurs de projets européens qui sont financés par le budget européen. Les Britanniques participent à ce budget. Tout ce qui a été décidé à 28 sera payé à 28. Nous avons trouvé des réponses à des centaines de sujets qui vont de la place des Britanniques par rapport à Euratom, la protection des indications géographiques agricoles, la protection des données. Et puis nous sommes convenus avec les Britanniques d'une période de transition, désormais beaucoup plus courte, qui débutera au lendemain du Brexit jusqu'à la fin de l'année 2020, pendant laquelle les Britanniques seront sortis des institutions européennes, ne seront plus au Conseil, ne seront plus à la Commission, ne seront plus au Parlement, mais resteront pendant 11 mois, prolongeables un an ou deux d'un commun accord, dans le marché unique et dans l'union douanière avec tous les droits et toutes les obligations. Et puis nous avons enfin trouvé une solution pour le sujet le plus sensible, je l'ai dit tout à l'heure, celui de la paix en Irlande. Mesdames et messieurs, la négociation dont j'ai été chargé, dont je suis toujours chargé, est une négociation négative. Il n'y a aucune valeur ajoutée au Brexit. Et personne, j'ai écouté tout le monde depuis 3 ans, personne, pas même M. Farage, n'a été capable de me démontrer la moindre valeur ajoutée du Brexit. Mais là où on voit à quel point le Brexit a le plus de conséquences et présente le plus de risques, c'est l'Irlande, où il y a à peine 20 ans s'est terminé un conflit grave qui a provoqué 4,000 morts entre unionistes et républicains, entre les différentes communautés. La paix est revenue. Elle a été consolidée par un document qui s'appelle le Good Friday Agreement, au terme duquel il y a maintenant 140 coopérations entre le Nord et le Sud, entre les différentes communautés, soutenu par l'Union européenne, par le gouvernement britannique, par les Nations unies, évidemment par la République d'Irlande, et au terme duquel il n'y a plus aucune frontière sur l'île. Ce qui veut dire que vous êtes ici, sur cette estrade, en République d'Irlande, vous traversez la pièce et vous êtes là, à quelques mètres, au Royaume-Uni. Et on ne peut pas reconstruire de frontières. Pourtant, en quittant l'Union européenne, en quittant le marché unique et l'union douanière, les Britanniques ont choisi de remettre une limite du marché unique au milieu de l'île. Et nous avons une obligation, partout, à chacune des frontières extérieures du marché unique, c'est de contrôler les produits pour la sécurité alimentaire, pour la sécurité sanitaire, les animaux, le risque de maladie animale, de contrôler les produits pour faire payer des taxes quand elles sont dues au titre de la TVA ou des droits de douane, pour contrôler les produits, pour vérifier leur régularité, leur conformité aux standards et aux normes européennes, et aussi pour lutter contre la contrefaçon. Nous devons cette protection. Il n'y aura pas de compromis. Nous devons cette protection aux consommateurs européens de l'Union et aux entreprises européennes. Nous devons aussi cette protection pour assurer la crédibilité du marché unique. Beaucoup d'entre vous, venant d'autres régions du monde, font des investissements chez nous, coopèrent avec nous, échangent. Vous devez être sûr de la crédibilité de ce marché unique dans lequel vous travaillez ou avec lequel vous travaillez. Donc, nous avons cherché une réponse à ce que j'appellerais la quadrature du cercle en Irlande. Monsieur Johnson nous demande que l'Irlande du Nord fasse partie du territoire douanier britannique. Nous devons éviter une frontière dure. Nous devons assurer ce qu'on appelle le All Ireland Economy. Et nous devons protéger le marché unique. Nous sommes parvenus à une solution. Quoi qu'on en dise et quoi que je lise quelquefois de la part de gens qui sont mal informés ou mal documentés, nous avons trouvé une solution qui garantit une réponse à ces 4 exigences
l'Irlande du Nord restera alignée sur les règles européennes pour les biens. On y appliquera le code douanier européen. La Cour de justice européenne continuera à y exercer sa mission. Et le respect des règles d'État, de la politique des aides d'État, les aides d'État continuera à être appliquées en Irlande du Nord. Voilà comment nous avons trouvé une solution qui est désormais opérationnelle dès le lendemain de la période de transition après que le Brexit ait été approuvé. Et nous travaillons en coopération, évidemment, avec les autorités britanniques qui assureront aux frontières et à la limite de l'île les contrôles nécessaires. Mesdames, Messieurs, nous attendons maintenant l'issue des élections britanniques. Je ne veux pas intervenir dans ce débat. Nous attendons que le Parlement britannique soit en mesure de se prononcer sur le projet d'accord agréé avec le gouvernement britannique. Nous attendons cette étape parce que, je le répète, le Brexit, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est une étape, ce n'est pas une destination. Et nous devons reconstruire. Nous sommes donc prêts, je suis donc prêt, comme me l'a demandé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à diriger cette négociation. Avec l'ensemble des services de la Commission, avec le haut représentant Josep Borrell, et en confiance dans le cadre d'un mandat du Conseil européen, des 27 gouvernements et du Parlement européen. Et j'appliquerai la même méthode, j'aurai le même respect et le même souci d'aboutir à un accord. Mais il faut bien simplement voir dans quel contexte nous allons travailler. Dans un contexte mondial où, vous en avez parlé autour de ces deux journées, les États-Unis ont fait le choix, eux, de l'unilatéralisme, comme jamais dans le passé. Dans le contexte où la Chine décide un modèle politique et économique concurrent à celui que nous connaissons. Nous avons une relation toujours complexe et instable avec la Russie. Et où on voit dans beaucoup d'instances multilatérales, les Nations Unies, l'OMC, la Banque mondiale, la force qui reprend trop souvent le dessus sur le droit. Et pourtant, nous continuons de penser avec beaucoup de conviction que les challenges que l'Union européenne et les autres régions du monde doivent affronter, il vaut mieux les affronter ensemble que chacun chez soi ou chacun pour soi. Qu'il s'agisse du changement climatique, qui est pour moi la plus grave des menaces et le plus grand des défis, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis très longtemps, la sécurité, la stabilité, la lutte contre le terrorisme. Un autre sujet auquel j'ai eu à beaucoup travailler comme commissaire chargé des services financiers, celui de la régulation, de la stabilité financière, qui est encore fragile. Dans tous ces domaines et pour tous ces défis, il vaut mieux être ensemble que chacun chez soi et chacun pour soi. Je montre souvent, quand je m'exprime sur ce sujet, un tableau que j'aurais pu vous projeter, qui est un tableau qui a une petite histoire britannique puisqu'il a été publié par M. Cameron. Hein. Vous vous souvenez de M. Cameron. Hein. Quand j'étais commissaire au marché intérieur, il a fait un tableau, un document, j'étais très ému de son soutien, non pas sur la régulation financière, mais sur le marché intérieur. Et dans ce tableau, pour montrer l'importance du marché intérieur aux Britanniques, il montrait le tableau tous les 10 ans des 10 pays les plus puissants du monde. Aujourd'hui, il y a 4 pays européens dans le G8. Et puis tous les 10 ans, au rythme de l'évolution économique des autres et de la nôtre, dans un monde où, en tout cas nous, Européens, nous devons bien mesurer que parfois on nous espère encore, mais plus personne ne nous attend, un des 4 pays est éjecté du tableau. Et finalement, en 2050, demain, les Allemands sont les seuls Européens à faire partie du G8. Ça, c'est la réalité. Et j'ai utilisé les mêmes chiffres en les actualisant pour montrer ce que ça donne si on reste à 27 ou si on est seul. Et la démonstration est claire, elle est juste. À 27, nous restons à la table, nous, Européens,
avec ce que nous sommes, cette communauté mutualisée. Seul, on est progressivement éjecté en dehors de la table et on devient spectateur de notre propre destin au lieu d'en être les acteurs avec les autres. Moi, je ne me suis pas engagé en politique, mesdames et messieurs, il y a quelques années, derrière le général de Gaulle, pour accepter que mon pays ou que le continent sur lequel se trouve mon pays devienne spectateur, sous-traitant ou sous influence des autres régions du monde. Voilà pourquoi nous devons être ensemble et voilà pourquoi, je le redis très sincèrement, je regrette, dans ce contexte-là qui s'impose à tout le monde, que le Royaume-Uni ait choisi de devenir solitaire plutôt que de rester solidaire. Mais en prenant acte de cette décision, nous avons l'obligation de reconstruire avec le Royaume-Uni une relation forte, un partenariat ambitieux sous une autre forme, et ce à quoi nous sommes prêts à nous attacher immédiatement, avec une question de fond qui va être la ligne bleue de toute cette négociation. Est-ce que le Royaume-Uni, en quittant l'Union européenne, comme il l'a choisi, va quitter également notre modèle réglementaire sur la protection des consommateurs, sur la protection des travailleurs, sur la santé, sur les règles du jeu économique en matière d'aide publique ou de fiscalité. Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse, ou pas complètement de réponse. Nous avons, avec Boris Johnson, travaillé sur le traité du retrait, qui va être soumis à la ratification britannique et à la ratification du Parlement européen. Nous avons également travaillé sur un document plus facile à lire, de 36 pages, qui décrit assez précisément le cadre de notre future relation. Et dans ce document, nous sommes convenus, les mots ont leur importance, qu'on établirait une relation commerciale fondée sur un bon niveau de « level playing field ». Ce que je pourrais résumer en trois mots, une relation commerciale et économique, zéro quota, zéro tarif, zéro dumping. Et les trois mots, quota, tarif, dumping, vont ensemble. Ce qui veut dire que la relation économique que nous bâtirons sous la forme d'un free trade agreement avec le Royaume-Uni, là où il est, à côté de nous, très interconnecté par son économie à la nôtre, ce qui est très différent de ce que nous avons fait avec le Canada, ce que nous avons fait avec la Corée, ou plus récemment avec le Japon, ce qui veut dire que le niveau d'accès à nos marchés pour les produits britanniques sera proportionnel au niveau des engagements qui seront pris par le Royaume-Uni pour respecter des règles du jeu commune en matière de droits sociaux, de droits de l'environnement, d'aide d'État et pour un certain nombre de questions de fiscalité. Cette future relation, elle ne va pas s'arrêter au commerce, même si le commerce en sera l'élément principal, à ce Free Trade Agreement, Fair, Free and Fair Trade Agreement. Nous allons travailler sur les services, les investissements, la protection des données, le transport, l'énergie, la pêche, la coopération judiciaire et policière, et évidemment la politique étrangère, la défense et la sécurité extérieure. Sur tous ces sujets, nous sommes prêts à lancer une négociation dans un temps limité. Je rappelle que le temps de la transition, pendant lequel le Royaume-Uni sera en dehors de l'Union, mais sera toujours dans le marché unique, sera de 11 mois, il peut être prolongé, mais de 11 mois, c'est très court pour faire l'essentiel de cette future relation. C'est en tout cas l'objectif que nous avons, que de faire tout ce que nous pourrons, avec les Britanniques, je dis bien pas contre eux ou sans eux, pour reconstruire une relation future équilibrée dont nous avons besoin les uns les autres. Voilà, je conclue peut-être en ayant dépassé de quelques minutes l'horaire qui m'avait été fixé, en vous remerciant pour votre attention et en vous disant une fois de plus le respect que j'ai pour ce pays, le regret que j'ai de le voir s'éloigner de nous, le souci qui restera le mien de reconstruire au nom de l'Union européenne et dans le cadre du mandat qui me sera fixé
par les 27 pays de l'Union et par le Parlement européen, une relation forte avec ce grand pays, parce qu'en toute hypothèse, le Royaume-Uni restera là où il est, proche de nous, un pays partenaire pour l'économie, un pays ami et un pays allié, s'agissant de la sécurité et de la stabilité du continent européen. Merci beaucoup de votre attention. Il me revient donc de clôturer formellement cette troisième édition de la Conférence de Paris. Je tiens bien sûr à remercier tous nos sponsors, tous nos conférenciers, tous les journalistes, sans lesquels cette troisième édition n'aurait pas été celle qu'elle devait être, c'est-à-dire un lieu de dialogue, un lieu d'écoute, un lieu d'échange. C'est une chose qui nous tient particulièrement à cœur et à l'esprit de permettre ce genre de choses. Je remercie également nos partenaires communication, les cabinets ESL et Allison Partner. Et cette année, les universités et les grandes écoles avec lesquelles nous avons monté 4 masterclass pour leurs étudiants en master ou en doctorat, qui, je crois, a eu un grand succès et que nous reprendrons. Je vais dire bravo aux équipes du forum, parce que une chose que vous ne savez pas, c'est que ces équipes jeunes sont basées à Montréal, et c'est, je pense, sûrement pour cela que ça permet à la Conférence de Paris d'avoir ce caractère transatlantique et qui reprend et qui mélange les qualités des gens travaillant en Nord-Amérique et des gens qui travaillent en Europe. La prochaine édition, elle prendra place dans un an, dans ces mêmes lieux, les 9 et 10 novembre 2020. Nous n'en avons pas encore choisi le thème, parce que, comme vous venez de l'entendre brillamment, il y a tellement de choses qui peuvent se passer sur nos continents qu'il serait délicat, un an à l'avance, de dire quels seraient les sujets que nous allons traiter. Mais nous le ferons, je pense, dans le même état d'esprit et dans cette même volonté d'instaurer, de continuer, de dialoguer, dialoguer et encore dialoguer. Merci, bonne fin de journée, bon week-end à tous et merci à tous les gens qui sont revenus dans cette matinée. À bientôt.